merci. Bon, écoute, je vais y aller franchement, on dirait. Ma copine s'est fait kidnapper, je pense, parce qu'elle ne répond pas. Mais elle t'a plaqué, ça, non? Non, écoute, elle s'est fait kidnapper, elle n'est pas rentrée chez elle de la nuit. Elle ne répond pas, elle n'appelle pas. Elle ne répond pas quand je l'appelle. Je suis sûre que c'est toi qui es derrière tout ça. Moi? Mais ça va pas, mais... Pour qui tu me prends, Nicolas, enfin? Est-ce que c'est toi qui as kidnappé Marie ou pas? Mais bien sûr que non, enfin, Nicolas. En tout cas, tu vas nous manquer, Johanna, en tout cas. Mais vous aussi, vous allez me manquer, Irène. Allez, au revoir, Peter. Oui. Johanna repart à Nashville, alors. Bah, c'est normal, c'est son pays en même temps. Ouais, mais... Pas sûr que ce soit pour ça. Bah, comment? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle nous cache, enfin? Elle est formidable, Johanna, Peter. Bon, ok, au boulot. Julien, oh, oui Sandro, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je voulais te dire que, tu sais que j'ai deux copines, deux amies, et je leur ai proposé de te rencontrer, elles sont d'accord. Non mais attends, Sandro, j'ai dit que ça m'intéressait pas. Et pourquoi, quand ça on se rend compte tous les deux? Écoute, Sandro, ça m'intéresse pas d'être en couple. Alors, je suis désolée. Ok, je voulais juste te le dire. Ouais, bah c'est bien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, rien, juste te dire ça, je retourne bosser. Ouais, t'as raison, retourne au travail. Oh, mais merde, celui-là, là. Nico, il y a un problème, hein. Attends. Quoi? Marie Lafrique, là, ma collègue? Ah. Ok. Alors, écoute, tu penses savoir où ils sont ou pas? Non, pas du tout. Il y avait deux mecs qui vous suivaient. Ok. Est-ce que tu sais quoi? On arrive, ok? Ok, on se rejoint devant chez Anixia. Ok. Devant chez toi? Ok. D'accord. Je viens avec Sandro, je prépare les affaires, je prépare tout. Et... On arrive, tu vas nous expliquer tout ça, ok? Et c'est normal, tu plaisantes. De rien, mon Nico, c'est normal, t'es un ami. À tout de suite. Puis en plus, Marie, c'est une collègue à moi, donc je ferai tout pour la retrouver. Plus grave là, par contre. Hein. Sandro!
Bon bah tu vois, il a avoué. Ouais, il a avoué. Mais en tout cas, moi, je pense pas que ce soit sincère du tout, moi, tu vois. Je pense que c'est du bidon et qu'il a tout inventé ce qu'il vient de nous dire là pour qu'il soit débarrassé. Et pour qu'on ne retrouve pas sa trace, tu vois. Attends, tu te fais des films là, chérie, non? Moi, je me fais des films? Attends, Christian, t'es sérieux? Attends, si c'est pas de mon côté, c'est ton problème, hein. Mais attends, j'ai retrouvé une photo de moi et Eric en train de s'embrasser. Oui, et alors, tu m'as pas dit que vous vous étiez embrassés? Mais si, mais la photo, elle date pas du jour où on s'est embrassés. Bah, peut-être qu'ils ont trafiqué. Ils ont trafiqué la photo? La date? Bah, ouais, peut-être. Oh non, c'est pas vrai. Oh purée. Non, mais je suis trop conne, moi, putain. Oh, excuse-moi, Christian, je me suis emportée. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Excuse-moi, Christian, je suis désolée. C'est pas grave. C'est pas grave, mon amour. Je t'aime, alors je te pardonne. Merci, mon amour. Bon. On va retourner voir Rick. On va lui demander. D'accord. Et on verra ce qu'il en pense. Ok? T'as raison. Allons-y. Mehdi? Salut, Mehdi. Mais très bien, et toi? Le boulot, ça passe? Ben ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Prendre des nouvelles? D'accord. Eh ben écoute, ça va. Je suis à Paris, là. Enfin, je profite, enfin, de plus travailler pour l'instant. Et toi, ça va? Ouais. Eh ben c'est super, alors. Ouais. Et bah toi aussi, moi aussi, je t'embrasse, toi aussi, prends soin de toi et bisous à toi aussi. Ok, pas de soucis, j'y penserai. Allez, bisous, Mehdi. Bon, ben Mehdi a l'air d'aller bien, tant mieux. Profite. Ouais. J'aurais pas mal d'en profiter, moi aussi, tiens. Ouais. Oh, Olivia. Ah, salut. Ça va? Ben oui, vous êtes rentrée? Oui, on avait des choses à faire. Ça va? Tu partais? Ben ouais, j'allais voir un lien au boulot, mais. Et vous, ça va? Ben écoute, super. On a vu Johanna. Johanna. Oui, Johanna McAllister, oui. D'accord, et elle va bien? Écoute, oui, elle repart à Nashville, là. Elle nous a dit qu'elle rentrait à Nashville, chez elle, enfin. Ouais, d'accord. Et toi, ça va? Ben écoute, ouais, j'ai toujours pas vu Max depuis qu'il est rentré. Ça fait au moins 3 semaines. Ouais. Donc, mais à part ça, tout va bien. Je profite de la vie. Eh bien, t'as bien raison, ma chérie. C'est ce qu'il faut. T'as bien raison, ma vie. Eh oui. Ah là là. Bon, et vous alors? Et vous, ça va? Ben, écoute, nous, ça va super. Hein, plus amoureux que jamais. Enfin, ouais, ça va. Mais tant mieux, je suis contente pour vous alors. Ben oui. Comment il va, mon amour préféré? Eh ben, il va très bien. Et toi? Ben, moi, je vais très bien aussi. Je sais que je t'aime, toi. Et moi aussi, ma chérie. Bon, et sinon, comment va ta fille préférée? Bah, elle va bien. Écoute, à part qu'elle a pété un peu un câble ce matin. Oui, ben, j'ai bien entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est partie énervée. Là, ils vont pas tarder à rentrer. Elle va revenir énervée, ça sera moi. Ah bon? Ouais.
J'ai pas envie de la supporter, ses énervements. Mais bon, Christian est là pour la calmer. C'est son chéri. Bah oui. Bon, et alors, quoi de neuf dans ta vie? Eh bah, ben, depuis que je suis avec toi, bah rien de nouveau. Ah si, un truc. Ah, je t'aime. Oh, mais moi aussi, mon amour, je t'aime. Ah, excuse-moi. Allô? Nicolas? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, quitte pas, j'en parle à Lali. Bah, en fait, sa petite copine, enfin, en fait, bah, Marie, elle a disparu, elle s'est fait kidnapper. Quoi? Allez, t'inquiète, ça va aller, on va la retrouver, t'inquiète. Bah, j'espère. Ah, oui, entrez. Salut, Nicolas. Ah, jeune, salut. Ça va, t'avais l'air tout pâle au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, Marie s'est fait kidnapper. Marie, la nouvelle compagne, enfin, on est en couple depuis peu et en fait, elle me répond pas au téléphone. Elle a disparu et je pense qu'elle s'est fait kidnapper. Et l'autre jour, on se promenait dans la rue et il y a deux mecs en voiture qui nous suivaient. Quoi? Ouais. Alors, t'inquiète pas, mais ça va aller. T'as prévenu Julien? Oui, oui, j'ai prévenu Julien, on se retrouve tous. Là, devant chez Alexia, tout à l'heure, le temps qu'il a à venir. Ok, il va m'appeler quand il sera là. Putain, bah courage Nico, ça va aller. Hein. Ouais, bah j'espère. J'espère. Ouais. T'inquiète Nico, ça va aller. On est là, oui, nous on est là. T'inquiète pas. Merci les gars, vous êtes formidables. Merci. Je vous aime, vous deux. Ah, je t'aime, mon José. Toi aussi, je t'aime, Maj. Nous aussi, on t'aime, Nicolas, ça va aller. T'inquiète pas. Merci. Je sais pas comment je ferais sans vous. Bon, bah, tu vois, elle a avoué, hein. Ouais, putain, qu'est-ce que j'ai été conne, Christian. Pardonne-moi, Christian. Mais non, mais c'est pas grave, mais tu vois, il a même dit que les gars, ça pouvait coller quand vous êtes embrassés, tu vois. Ouais, qu'est-ce que j'ai été conne, Christian, putain. Mais pas du tout. Arrête de dire ça. T'as pas du tout été conne, enfin. Ça s'est fait tout seul. C'est pas ta faute. Ouais, bah, j'aurais dû le croire dès le début, je suis vraiment conne. C'est pas grave, je t'en veux pas. Et lui non plus, je pense qu'il t'en veut pas. J'espère. Et t'inquiète pas. Hein. Ça va aller, d'accord? Ouais, j'espère. Ah, putain, merci d'être là, Christian. Merci. C'était normal, je t'aime, moi. Moi aussi, je t'aime, Christian. On va rentrer à la maison, hein. On va aller voir la ligne de John. D'accord. Ouais. Enfin, on va aller voir la ligne et ton père, ok? Ouais, t'as raison. Mais avant, faut que j'ai un truc à faire. Ça te dérange pas? Non, non, pas de problème. On y va. Viens, on y va. Pas de soucis. Bon. Ben, midi va bien. Tant mieux. Je suis contente. On m'embrasse. Je crois qu'il m'aime encore. Non, je plaisante. Mais. C'est vrai qu'avec Mehdi, on a vécu une belle histoire. Et qu'elle s'est achevée l'année dernière. Ouais. Oh, putain. Mais bon, je l'ai aimé. Puis je pense qu'il m'a aimé lui aussi. Donc. Enfin, voilà, c'est. Je l'ai aimé, il m'a aimé. On s'est aimé. Aujourd'hui, bah, la vie a fait que nous nous sommes séparés. Voilà. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. C'est la vie qui en a décidé ainsi. Mais bon. Notre histoire, c'était dans une autre vie.
Max? C'est mon... Mais Max, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon... Ça va, Max? Enfin, mais Max, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Enfin, je comprends pas, t'es... Je suis désolée. Mais enfin, mais Max, mais explique-moi, enfin, je comprends pas, t'es... T'es arrivé en furie chez moi, t'étais tout paniqué, tu me demandes si c'est ton père, il est chez moi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait kidnapper. Quoi? Je suis con. Attends, calme-toi, pleure pas, tu vas tout m'expliquer. Bah oui, je me suis fait kidnapper, je suis partie quelques mois. À la base, j'étais juste partie en vacances, mais j'aurais dû revenir il y a des semaines déjà, mais... Je me suis fait kidnapper. J'ai réussi à prendre l'avion, à m'échapper. À venir là. Quoi? T'en as parlé au flic? T'en as parlé à Julien? Oui. C'est Max, tu peux tout me dire. Hé, hey, je suis ton meilleur ami, non? Oui. T'en as parlé à Julien, à Sandro? T'en as parlé à qui? J'en ai parlé à mon père et à Julien, à Sandro. Et à toi. Et à ta mère. Non, je l'ai pas encore vu, ma mère. Attends, mais t'es rentré il y a combien de temps? Le jour même où je suis venue chez toi, je suis rentrée le matin même. Quoi? Mais ça fait 3 semaines. Ouais. Oh putain. Hé, hey, Max, ça va? Non, ça va pas, enfin. Je suis con, voilà ce que je suis con. Mais non, t'es pas con, c'est pas de ta faute, c'est si tu t'es fait kidnapper, enfin, Max. Ouais, peut-être, je sais pas. Et Max, t'inquiète, ça va aller. Ok? Je vais t'aider. Je suis là pour toi, je vais t'aider. On va les coincer, ces mecs, ou ces meufs, ou je sais pas qui. D'accord? Merci, Simon, merci. T'as pas plus d'infos? Mais non, il y a des mecs qui nous suivaient. Ok, tu sais leur tête à peu près? Bah oui, enfin, je les ai aperçus de loin vite fait. Il y en avait un cheveu marron. Les deux avaient les cheveux marrons, un peu comme ça, puis l'autre, enfin. Il avait à peu près les mêmes cheveux que moi, quoi. D'accord, à peu près la même coupe, genre, c'est ça. Ouais. Ok, mais écoute, on va essayer de faire le maximum pour les retrouver, hein. Bah j'espère. Merci Julien. Et Marie, c'est ma collègue et je l'aime beaucoup. C'est normal. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Julien, Sandro, Nicolas, Jeanne, Josie et Bénédicte. Quoi? Viens, on va voir ce qui se passe. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Théo, je sais pas si tu m'entends, c'est Jonathan, tu te souviens de moi? J'étais ton ami à l'époque. Papa, réveille-toi. J'en peux plus de le voir comme ça, Jonathan. Ça fait 10 mois qu'il est dans ce coma. Ouais, seulement 1 mois et demi. Mais même si ça, j'en peux plus. Réveille-toi, Théo. J'espère qu'il va se réveiller. Tu crois qu'il va se réveiller, toi? Je sais pas. Je suis comme toi. Écoute, je l'espère. Moi aussi, j'espère qu'il va se réveiller. Putain. T'inquiète. Hey, ça va aller, Anthony. T'es fort, non? Oui. Courage, tu vas y arriver. Je te le promets. Tu m'en promets bien des choses, toi. Bon. Bah. Jonathan est en vacances. Il revient bientôt. Donc, je suis tout seul pour l'instant. Ça, j'ai pas beaucoup de travail, donc. Ça va. Mais. Quand même, faut quand même bosser, il y a quand même du boulot. Pas beaucoup, mais il y a du boulot. Ouais. Eh oui.
Donc, bon, je m'attends, elle va vite revenir, elle va vite se remettre au boulot et très rapidement. Non, je plaisante, je vais. Il est en vacances, enfin. Je vais donner quelques jours de vacances parce que, enfin. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, tout est compliqué, du coup. Et ça mérite ces quelques jours de vacances. Bon, ben, tu vois, c'était pas la peine de stresser, hein, mon amour. Tout a été réglé, hein. C'est vrai. Ça, c'est parce que t'étais là, mon amour. Et merci. oui. Bon, maintenant, on va rentrer voir Johnny et Lali. Et ouais. Parce qu'ils doivent s'inquiéter. C'est vrai que je te promets que demain matin, c'est une grasse matinée. Intéressant. Eh ben oui. Bon, on y va, mon amour. Oui, parce que je meurs de faim, Christian. Eh ben, tu vois, je crois que j'ai trouvé la perle rare. Tu es magnifique. Merci, Christian. Merci, mon amour. Mais t'inquiète pas. Toi aussi, t'es très beau, tu sais. Mais je l'espère bien. Je l'espère bien, mon amour, tu sais. Je l'espère bien. Allez, grimpe et viens. Allez, en voiture. Tu sais, je crois que j'ai jamais autant aimé quelqu'un que je t'aime, toi. C'est vrai. Oui, Christian. Oh, mon amour. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et... ben, je t'aime. Voilà. Ça va, mon amour. Et toi, mon amour? Très, très bien. Surtout quand je suis avec toi. Oh, c'est gentil, ça, mon amour. Tu sais que je t'aime, toi. Et moi aussi, je t'aime, tu sais. Je crois que je veux faire ma vie avec toi. Ah oui? Vraiment? Oui. Je crois que j'ai jamais été aussi amoureux que je suis amoureux de toi. Ça me décrase la race. Tu me fais la Junie? Appelle-le comme tu veux, je m'en fous. J'ai juste deux mots à te dire, c'est... je t'aime. Moi aussi. C'est tout ce que je voulais entendre. Oui, Julien? Quoi? Devant un garage? Mais lequel? Le garage de la grande ferme. Oui, je vois où c'est. Mais pourquoi? Quoi, Marie? D'accord. Tu me laisses 10 minutes, le temps d'arriver, de me préparer à mon pistolet et tout. J'arrive. 15 minutes? Oh! Ben, je vais en profiter alors. Non, je plaisante, c'est pas le moment. Bon, j'arrive. Bon, eh ben, au boulot. Et sinon, maman, elle va bien? Oh, bah, écoute, hein, tu sais, maman, ça va, hein, elle profite, elle est devenue folle. Bah, c'est ta mère, hein, c'est comme ça que je l'ai aimée, hein. Ouais, mais c'est bizarre, ça fait des mois que t'es séparée d'elle, que vous avez divorcé. Et tu parles toujours d'elle. Parce que je, bon, d'accord, je l'aime encore. Et puis, c'est vrai qu'elle me manque quelque part et... attends, on est quand même resté 22 ans ensemble, enfin. C'est pas rien quand même. C'est. Ouais. Puis j'ai de la pitié pour elle, je l'aime bien, quoi. Enfin, je l'aime. Je l'ai aimé pendant 22 ans, quoi. Enfin. C'est pas non plus comme si on était resté une semaine ensemble ou un mois, quoi. C'est. On a été mariés, on a eu vous, on vous a eu vous deux, on a eu deux gosses, quoi. Enfin. C'est comme ça, c'est la vie. Elle m'a quitté, c'est. On a divorcé parce que la vie a décidé, tout simplement.
Mais tu crois vraiment qu'ils sont là? Je sais pas, c'est une possibilité. D'après la localisation du téléphone de Marie, c'est là qu'il l'aura emmené, donc... Ok, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Oui, on va intervenir. Préparez vos armes, Sandro, tu viens. Alex, tu viens avec moi. Nico, viens aussi. Soyez prudents, en tout cas, les gars. T'inquiète, on le sera, Benny. On y va? Ouais. J'espère que ça va bien se passer. Mais oui, t'inquiète, ils sont flics, ils savent ce qu'ils font. Il y a 2 flics et 1 détective, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'espère. Bon, je vais avec eux. Courage, Nico, sois prudent. Bon, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas. Mais moi aussi, j'espère, putain. Police! C'était quoi, ça? Libérez-la! Marie! Vous vous approchez pas! Ou je tire! Prépare-toi, Sandro. Et splash! Tu voulais tirer? Eh ben, c'est moi qui ai tiré, finalement. Bien joué, Sandro. Marie! Marie! Ok, viens là, toi. C'est pas moi, moi, je vous jure, j'y suis pour rien. Moi, j'ai tout fait pour qu'il le fasse pas, pour qu'il la libère. Mais tu l'as aidé? Non, je vous jure que non, j'ai lui fait que lui dit qu'il la libère. S'il vous plaît. Mais t'es complice, allez, viens au commissariat. Non, s'il vous plaît. Au commissariat, tu viens, tu fermes ta gueule. Hey, tu vas tout nous expliquer. Ok. C'était quoi ce bruit? Je sais pas, ils ont dû sûrement faire libérer les otages. Je vois. Non, non, reste là. Tout ne n'y va pas, s'il te plaît. Marie, Marie, ça va? Marie. Nicolas, mais oui, mais ça va, mes Français. Et Marie, mais enfin, mais c'est qui ces gens? C'est Trémy, c'est Blake. Quoi? C'était des amis à moi et... Ils veulent coucher avec moi depuis 2 semaines. Voilà. Quoi? Tu vas nous expliquer tout ça, mec. Je vais rien faire, moi. C'est ça. Allez, viens. T'es pas si innocent que ça dans l'histoire. Eh, attendez, je vous jure que j'y suis pour rien, moi. Ce soir, on verra ça au commissariat. Sandro, sois pas trop dur avec lui, il a l'air sincère. En revanche, lui, là, derrière. Enfin, devant moi. Il a l'air pas du tout sincère. Marie, tu m'as tellement manqué, Marie, je t'aime. Marie, j'ai tellement eu peur, si tu savais comment j'ai eu peur. Tout va bien maintenant, Nicolas. T'as pas à t'en faire, je vais bien. Marie. Marie. Si tu savais comme c'est bon de te revoir. Oui, tu m'as manqué, tu sais. Là, j'en fous pas. Toi aussi, tu m'as manqué. Je t'aime, Marie. J'ai tellement peur. Julien? Oui, Sandro? Écoute, tu sais, je pense pas que le petit Blake soit si innocent que ça dans l'histoire. Comment ça? Jonathan! Ça me fait plaisir de te revoir au bureau. Tu m'as manqué, tu sais. Salut, Adrien. Mais écoute, on y est avec ce qui se passe en ce moment. J'ai dû m'occuper, donc on ne perd pas bien. Ouais, je comprends, ça va. Écoute, mon père, Théo, il est dans le coma depuis plus d'un mois. Et je voulais en parler à Samy. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main.